Bonjour à tous, donc bienvenue pour une nouvelle vidéo donc en compagnie de Sylvain, donc Onios Concept. Donc là nous allons vous faire donc une présentation d'une espèce un peu particulière qu'on ne trouve pas forcément encore en terrariophilie. Donc quel est le nom de cette espèce? Lichenura trivirgata saloui. Voilà, donc Lichenura trivirgata, alors saloui ou sasloui suivant la prononciation, voilà. Chacun a les goûts, les couleurs hein, comme on dit toujours. Voilà, donc c'est une espèce, donc c'est un boa, c'est ça? De la famille des bouillés, ouais. Voilà, c'est la famille des bouillés, donc Amérique du Nord, limite ouais, Mexique. Ouais, Mexique, voilà, Arizona. Voilà, les terres vraiment arides, on va dire voilà. Comme ça. De petite taille en plus comparé aux ouais. Bouillés qui sont, qu'on voit toujours le boa, ouais, c'est limité à 3 parce que la taille machin. Là, c'est et 90 cm. Voilà. Semi-fouisseur. Semi-fouisseur, donc un peu dans le style hétérodon, sauf voilà. Que hétérodon est fouisseur, la semi-fouisseur, donc on peut le voir vraiment creusé ou pas. Donc c'est une espèce un peu différente qui se maintient plutôt facilement aussi hein. Ouais, très facilement ouais. Voilà, donc il n'y a pas besoin forcément c'est déjà vu que c'est traîne dans des zones arides, c'est pas c'est pas du tropical. 32 35 35, voilà, ça aime les fortes chaleurs et puis de toute façon voilà. Si la chaleur est trop forte ça creuse, voilà. Donc voilà, donc et ben là on va vous montrer un peu l'espèce, mais avant ça toujours prendre du gel hydroalcoolique. À savoir qu'il est encore toujours dans sa quarantaine. Voilà, il en faut toujours. Alors là, l'animal est toujours en quarantaine. Donc oui, tu l'as depuis à peu près 15 jours, tu me disais. Ouais, 15 jours. Bah, le seigneur, on l'a mis dans la pièce pour la vidéo. Voilà, il est là pour la vidéo. Mais sinon, il va retourner dans la pièce de quarantaine après. Parce que tourner dans la pièce de quarantaine, c'est pas l'idéal. Fait noir. Voilà, il ne voit pas terrible. Donc là, on va vous le montrer. Donc là, il est donc bien sûr en rack pour la quarantaine. Donc exprès justement pour éviter déjà le stress, voir plus facilement s'il y a des arrivées d'acariens ou un truc comme ça. Donc ça lui permet de moins stresser également. Donc c'est idéal. Donc voilà, vraiment tout petit spécimen hein, bien sûr. Donc là il n'est pas adulte hein, bien sûr. Non, il est de 2016, août 2016. Oh, donc c'est un juvénile quoi, on peut le dire clairement. Voilà. Ouais, donc c'est ça a une tête bien sympa. Des couleurs aussi avec les lignes gris, orangé, crème, orange marron, ouais, et puis crème gris, ouais, plutôt crème gris bleuté. Donc c'est après c'est les reflets bleutés dus à la lumière certainement, mais après au niveau des couleurs c'est des couleurs qui sont faites pour se masquer dans la nature. Voilà, on voit plutôt des couleurs vives souvent sur des serpents plutôt tropicaux ou dans des environnements ils ont besoin d'être colorés pour ça. Lui il a besoin de se cacher. Donc l'idéal c'est couleur gris qui couleur pierre et les rayures marron qui font un peu plus couleur du sol, un peu sol argileux, on va dire ça comme voilà, ça. Sol argileux. Voilà, donc c'est vraiment une espèce assez sympa. Donc au niveau maintien, donc aussi donc assez facile aussi quoi. Donc, ouais, c'est très facile. Ça crée un peu l'humidité quand même, il ne faut pas plus de 50%. Voilà, donc de toute façon c'est comme c'est du désert type de base, oui, l'humidité, faire très attention avec ça. Donc après bon bien sûr quand on vient d'arriver dans l'élevage, une quarantaine est obligatoire bien sûr. Quarantaine pas de 2 semaines, 40 jours. Voilà. Donc là on l'a descendu dans la pièce d'élevage exprès, enfin exprès pour la vidéo, mais aussi on a bien vérifié qu'il n'y avait pas d'acarien ou de maladie transmissible. Ah, déjà, et il n'a aucun contact avec les autres serpents ou les autres reptiles présents ici. Voilà. Donc voilà. Donc, on va essayer de manipuler un petit peu quand même. Donc voilà, les manipulations aussi avec les serpents, puis c'est assez cool, faut le laisser un peu où il faut aller et juste le servir en fait de... Bah, comme si on était une branche en fait, tout simplement. On peut le guider après, on peut le guider bah, pour lui, là où il doit aller. Puis c'est un monsieur, il n'a pas l'habitude de grimper. Bah lui il n'a pas l'habitude, puis quand on voit, voilà, il se... Il est cool. Il est plutôt cool, voilà. Donc pour du débutant, voilà. C'est assez curieux je trouve un peu comme serpent, parce que... C'est vrai qu'il regarde partout. Je le vois... Quand je regarde son bac, c'est assez actif aussi. Il est actif quand même, il est curieux, il a l'air d'être curieux. C'est assez actif. Donc c'est vrai que c'est pas mal pour du débutant en fin de compte. Oui, ça change du piton régius qu'on voit partout. La gutte. Voilà, c'est un boa qui est aussi. Qui est petit. Qui est limite la taille d'une gutte, on va dire, en termes d'une petite gutte. Voilà. Mais avec la taille totale d'un hétérodon au final. Voilà. C'est un mélange de plein d'espèces en fin de compte. Bah, on pourrait dire ça. Donc ouais, c'est vrai que pour le débutant, c'est facile à maintenir, c'est de petite taille en plus. C'est vrai que bon, des serpents de grande taille, quand on débute, moi je trouve que c'est pas l'idéal parce qu'après faut les assumer et faut vraiment les assumer et puis s'y mettre la place derrière. Tandis que là, c'est pour les fans de Boïdé, c'est l'idéal. Puis ça change, c'est de l'ordinaire, c'est du naturel, là, c'est pas de la mutation quoi.
Ah oui, là, c'est des couleurs naturelles. Hein. C'est... Donc voilà, puis il se laisse largement faire, il est pas trop speed, il cherche pas à se barrer plus que ça. Il est vraiment nickel de chez nickel. C'est une petite femelle. Une petite femelle en plus. Donc plus tard, toi, c'est prévu que tu aies un mâle donc pour la possible reproduction. Je suis actuellement à la recherche d'un mâle. Si vous avez un mâle, hein, n'hésitez pas à contacter Sylvain, on mettra le mail dans le commentaire de la vidéo, hein. Sait-on jamais. Mais voilà, c'est une belle espèce que, bah, qu'on trouve pas sur les stands en bourse. Enfin, moi, je n'ai jamais vu. On en trouve très peu. Très peu. Après, à voir sur Ham, Houten ou les autres bourses européennes, en bourse française, on en trouve très peu. On n'en voit pas beaucoup en bourse française. Voilà. Mais sinon, mais c'est une espèce magnifique. Après, on manipule pas forcément des reptiles tout le temps. Là, on le fait pour la vidéo, mais sinon, il n'est pas manipulé plus que ça. Hein. Tu le manipules souvent pour changer un peu le substrat. Tu le manipules pour voir s'il y a des... Non, je manipule pas mes serpents en général. Là, c'est pour voir s'il y a des soins, c'est plus... Après, s'il y a des soins, au niveau des soins, quand il faut... Bah, c'est la manipulation utile, on va dire. Voilà. La manipulation... Faut pas m'amuser à les manipuler. Voilà, tu vas pas le mettre autour du cou, je trouve ça ridicule. Partir dans le centre-ville avec le truc sur l'épaule, non, c'est pas le but du jeu. Bon, je vais faire ça. Ça serait drôle, mais à éviter. À éviter, voilà, et... De toute façon, c'est que les manipulations d'usage pour les soins, les changements du rack, ouais, le rack ou du terra si vous avez des terras, bien sûr. Bah, un terra, c'est vrai que c'est une espèce que, comme bah, ça, c'est là, pas... Là, il est en quarantaine, après le terra, vu que c'est fouisseur, pas un terra grand hauteur, vu que c'est une taille de 90 cm, on peut s'orienter sur un 60, 45-30. Voilà, à la limite, voire même un 90, parce que ouais, c'est plus de surface au sol. Ça, après, il y a des spécimens qui peuvent peut-être dépasser les 90 cm quand même. Voilà, de toute façon, après, certaines espèces aiment des terrains grands, d'autres plus petits. Après, c'est à vous de juger par rapport à l'animal et ses besoins. Si l'animal est grand et stress... Pour moi, il faut s'habituer, pas forcément l'espèce, faut s'adapter aux spécimens. Ouais. Parce que s'il aime bien se balader partout et il lui faudra une grande taille, s'il stresse dans un grand taille, il faudra l'apprécier. Tout simplement. Il faut monter en progressif suivant l'animal. Là, s'il est dans un petit rack, on va dire, c'est à combien de taille en tout cas ? Il fait 39 par. Voilà, environ 40 cm de rack. Pour le démarrer, il est très bien dedans, il se balade bien. Ouais, là, voilà. Après, si tu montais dans un 50 cm, admettons qu'il se mettait à stresser, tu retomberais au 40. Voilà, il faut savoir ce. Faut s'adapter aux besoins de l'animal et non l'animal qui doit s'adapter aux besoins de l'éleveur. Donc c'est pour ça que quand on prend un animal, faut pas en prendre 5 par 5, c'est pas trop commun, sauf si on a une place énorme et un budget énorme. Oui. Mais si on a un serpent et qu'on débute, faut prendre un terrain adapté à sa taille, pas la taille définitive tout de suite, et après s'adapter. Après on peut acheter un terrain plus grand que la taille prévue minimale, s'il s'adapte bien dedans. Le laisser. Si s'il s'adapte pas, bah on vend le terrain ou on garde de côté un terrain de secours, ça peut toujours. Il y a beaucoup qui les élèvent en rack, ces serpents-là. Bah principalement le fouisseur en rack, oui, ça gêne pas. De toute façon, beaucoup élèvent leurs serpents en rack aussi. Le rack, enfin, il y a toujours le débat rack terra bien sûr, mais d'ailleurs c'est un débat sans fin. Moi je trouve que le rack peut être bénéfique pour certaines espèces. Bah, je le vois sur mes geckos léopards, je vois une femelle en terra qui pond une fois par mois et une femelle en rack qui pond tous les 15 jours, mais qui va très très bien aussi et qui fait des beaux qui stresse moins. Voilà, il y a moins de stress. Certes, le rack pour le gecko, les adultes n'aiment pas ça, c'est normal. Hein. Ah oui. Et encore, j'ai du rack pour Python Régis, moi, donc c'est du plus grand. C'est du bas comme cela. Mais il y en a qui a des geckos qui préfèrent des geckos ou des serpents ou d'autres reptiles qui préfèrent du rack au terra et d'autres inversement. Il faut pas oublier qu'il y a certaines espèces qui stressent facilement. Oui, voilà, il y a certaines espèces qui stressent assez facilement, oui, ça c'est clair et net. Après, il y a certaines espèces qui peuvent pas aller en rack, du Corylophus hiatus, pas de rack, tu peux pas. Tu vas pas mettre du bois en rack, tu vas pas mettre du bois en rack. Voilà, c'est. Les gros, non, c'est une. Quand tu passes du gros, voilà, faut mieux partir sur le terrain. Après, moi je conseille aussi le rack, surtout pour les juves. Ouais, les juves ou petites espèces comme celle-là. Ouais, ou petites espèces, espèces où il n'y a pas besoin. Mais quand on veut des reproducteurs, l'idéal c'est de mettre du terrain pour pouvoir les voir, les admirer. Parce qu'avoir du serpent pour le laisser dans un coin, dans un tiroir et juste le voir pour voir s'il y a un problème. Enfin, moi personnellement, j'aime pas. Après, c'est les goûts et les couleurs en terrario, voilà. Mais bon, revenons principalement à cette espèce qui est vraiment, vraiment belle hein, quand on voit bien sa tête. Il se laisse faire depuis tout à l'heure. Hein. Oui. Il cherche pas à se barrer de ma main ni rien. Il est là.
il cherche pas non plus à mordre, contrairement à une vidéo de Sylvain il y a quelques... Enfin, que, la petite gogno, hein. Voilà, enfin, qui, la petite gogno qui m'a mordu. Voilà, donc bon, c'est un autre style, mais... C'est l'opposé. C'est aussi calme qu'un piton réjuste sans le stress. Voilà. Avec la taille d'une gueule. Voilà. Voilà, donc pour l'instant, la taille d'une gueule, bien sûr, il est juvénile, hein, il va grossir, il va grandir, donc on fera de toute façon peut-être un suivi plus tard hein, pour montrer la différence. Mais voilà, donc... Dans 2 ans à peu près, il aura sa taille. Voilà, donc dans 2 ans, on fera peut-être une petite vidéo. Mais voilà un peu pour présenter cette espèce, donc assez facile aux débutants. Au niveau de la législation, donc vu sa taille, je pense que c'est limité à 25. Ouais, je pense aussi, mais là voilà. Je ne suis pas encore renseigné. Après, sachant que on voit certains professionnels qui en proposent sur leur site internet, sans mentionner forcément que c'est soumis ni rien, donc je pense. Bah, c'est pas soumis déjà. Je pense que. Voilà, si tu le détiens déjà, c'est pas soumis. Mais après, les quotas, voilà, c'est à voir. Vu la taille, je dirais un quota de 25. Voilà. Mais après, voilà, à revérifier. Donc au final pour un débutant c'est parfait aussi. Donc ça c'est parfait. Si on se renseigne bien sur l'espèce avec des éleveurs qui s'y connaissent, voilà, c'est l'idéal. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette petite vidéo de présentation. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Sylvain. Donc il y aura le lien de sa page Facebook d'élevage Tropical Reptile dans la description, son mail, le lien de sa boutique également. Donc voilà. Donc on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. À plus tard. Salut. Salut. Que nous présentes-tu aujourd'hui? Le Lichenura trivirgata. Oh merde. C'est